Allez, Nick, je fais un petit retour sur un jeu que j'avais testé, enfin, ça date d'une plombe, c'est le Crystal Quest Deep Jungle, donc on a 3601. 1, 20, 50, 20, 50, plutôt 20. Je me rappelle plus du tout de ce jeu, je l'avais testé. Enfin, il y a une plombe, ça date. On peut cumuler les wins, x2, x3. Il doit balancer plusieurs wins consécutives, mais ça doit pas arriver très régulièrement. Alors, série de spins perdant. On va tenter quelques spins à 50 balles. Du spin perdant, ok, combien? 160 x 3, 180 balles. Alors, on n'a pas cumulé les wins. Ça peut nous faire bien grimper au niveau des multiplicateurs, ben non, 16 balles. Non plus. Super coq, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, super madame? Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Bonus game, ok. 15 free game, je suis pas contre, je suis pas contre. 15 free game à 20 balles. Est-ce qu'on va avoir droit aux wins qui vont bien avec? Là, on est au x5. x6. Allez, vas-y, fais-nous péter un truc. Y a-t-il du win avec les multiplicateurs qui vont avec? Je sens que je vais me prendre pas mal de spins perdants dans la gueule. Alors, un petit retour. 196 x 8. 156 x 9. Qu'est-ce qui nous sort? Big win. Big win, tant mieux. Big win, de combien taille est la question? 452. Allez, 7 sur 15. Et il s'est changé dans le bon symbole. Je pensais qu'il allait m'affaire à l'envers. 720 x 10. Ça devient intéressant. Allez, Rebig Win. Rebig Win 2. 720 balles. Bon, coup de bol que je vais les sortir les free games assez rapidement car c'était pas gagné. 200 x 11. On cumule les wins. Il lui s'en balle. Oui, il lui s'en balle pour des mises à 20. On n'est pas loin du x100 par rapport à la mise. Il nous reste 5 free games. Allez, vas-y, on est au x12. File-moi le même symbole. Faut pas rêver. Fallait pas rêver. 576, ok. x13, chiffre chance ou malchance. x14. Bah, je pense que ce sera retesté comme je vais mettre de côté, mais bien sûr, ça va pas payer à tous les coups. Super free game, sans déconner. Largement dépassé x100 par rapport à la mise, 1132. De 1940, ça va être pas mal quand ça va être crédité là-dedans. Alors, il nous reste un petit peu de free games, on est au x16.
balance pas deux spins perdants. x17, x17. Des fois, il peut monter très haut multiplicateur, j'imagine. 340. Pas loin du x200 par rapport à la mise. 468, merci madame. Et ben, ce fut la dernière free game. 3468, là quand même je suis scotché, la mise à 20 balles. Alors, par là, là, par là, alors. Oui. 6791. Ouais, arrête partie direct, on va pousser un petit peu le jeu, mais limite fixé ouais, 6000 ou un petit peu plus. J'aimerais bien qu'il me ressorte des free games par curiosité pour voir si on peut faire mieux, mais on va pas trop rêver. J'imagine que les probabilités sont relativement faibles. Bah comme quoi, bon choix de jeu, je me disais tiens, bah, bof, on verra bien. Là quand même c'est un bon choix. Super coffre, super symbole. C'est vrai que les symboles coffre-fort alias les scatter, on les voit pas souvent. Alors des fois on les voit pas pendant une plombe. Petite série de spins perdants, je vais pas dire que ça me manquait. 4. Balles x2, bon, je crois bien que le round de free game ça va pas être d'actualité. Bon, après j'ai gagné pas loin d'un x200 par rapport à la mise, c'est relativement rare, c'est pas évident gagner sur un bonus de machine à sous. Un petit coffre, il a pu me changer les symboles à moi, il m'en balançait d'autres. J'ai pas eu droit à cette option. Et bientôt j'arrive à 6000, ma limite fixée. Que dalle! Ouais. Alors peut-être que. Et non, 2 euros. Alors 4 qui dit mieux, il me reste à 4. Pas de win, dernier spin à 20 balles, et on termine à 6003 si ça perd, et dommage, triple wild, deux coffres, ouais quand même, jolie performance, j'avais commencé, ouais j'avais 3006, donc quand même un boost à 6003, allez arrêt de partie, peut-être un petit round un petit peu plus tard sur ce genre, enfin ou basculer sur un autre, on verra bien, là pour le moment, hop, on tire le frein à main.